This channel is part of the History Hit Network. During the Second World War, Hitler made an increasing number of errors and lost many battles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. In 1940, when England was in his reach, Hitler allowed the British army to rebuild itself. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. A mistake that he will pay a high price for during the Allied landings. In 1942, in yet another bad decision regarding the Red Army, Hitler sends his troops into the cruel Russian winter. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler loses almost a million soldiers in what would be the real turning point of the Second World War. Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, he launches an unnecessary attack in the Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. The only one responsible for this massacre, Hitler used up the last of his troops and opens up Germany's doors to the Allied forces. At the beginning of 1942, Nazi Germany had reached breaking point. The Führer had made an increasing number of bad strategic decisions. 1 p.m. After the Japanese attack on Pearl Harbor, Hitler declared war on the United States. This decision, which was taken without seeking advice from his military leaders, sows the seeds of the defeat to come. In Russia, Hitler's Operation Barbarossa failed to bring victory for the Reich against the Russian giant. On the contrary, Stalin's counterattack pushed back the German army and forced them to face the terrible Russian winter. For Hitler, it's time to choose between the strategic withdrawal advised by his generals and the headlong rush driven by his insanity. Le pétrole fourni par l'Allemagne ou par la Roumanie ne suffit plus du tout à alimenter les Panzerdivision. Donc du coup, Hitler commence à envisager aussi la conquête des champs de pétrole caucasiens notamment, donc dans le sud de la Russie. Prendre les pétroles du Caucase, Bakou, Maïkop et autres, c'était répondre à un double objectif. Déjà, priver l'armée rouge de sa capacité à faire la guerre. Deuxièmement, se donner les réserves stratégiques pour l'Allemagne pour régler le problème immense que le blocus faisait peser sur ce pays. Blocus anglo-saxon qui était quasiment hermétique, et donc Hitler pensait réaliser ce double objectif par le plan bleu, Fallblau, déclenché donc le 28 juin 1942 à l'Est. On paper, Case Blue seemed very attractive, but in practice, Hitler hadn't taken into account the state of the roads after the thaw, and the considerable distances that had to be covered to reach the Caucasus. Baku, the capital, is almost 3,000 kilometers away. Hitler also overlooks his men's attenuation, their equipment and supply difficulties. Still falling prey to his racial prejudices, the Führer continues to underestimate his Russian enemy. Les premières semaines sont plutôt en sa faveur, la conquête se fait assez facilement, sauf que le 23 juillet 1942, un ordre assez hallucinant tombe. Hitler décide de diviser ses armées en deux. Une première armée va effectivement aller vers le Caucase et la 6e armée du général von Paulus est chargée d'aller prendre Stalingrad. Hitler fait suivre à ses troupes deux axes divergents. C'est donc le principe néfaste de division des forces. The military leaders are bewildered by this improvisation, but nobody has even the slightest influence on Hitler's strategic decisions. It's left to an exhausted and badly provisioned 6th Army to take Stalingrad. They're commanded by General Friedrich Paulus. La prise de Stalingrad est très importante pour Hitler. Il y a une première raison assez évidente, c'est que ça s'appelle Stalingrad, donc c'est politique. On va prendre la ville qui porte le nom de Staline.
Stalingrad est un symbole à la fois pour Hitler et pour Staline, évidemment. Parce que Stalingrad, c'est une grande ville industrielle qui porte le nom du dictateur soviétique. Et Hitler a bien compris, évidemment, que prendre Stalingrad, du point de vue symbolique, ce serait effectivement un désaveu du dictateur soviétique. Prendre Stalingrad, c'est couper les communications sur la Volga. Et ça, c'est quand même important parce que nous sommes en 1942, l'apport américain commence à intervenir sérieusement, il arrive par l'Iran, la Caspienne, et il remonte la Volga. Donc, par conséquent, si Stalingrad tombe, la route de la Volga est coupée. Les approvisionnements américains ne remontent plus vers le nord. Le 23 août, au moment où les Allemands de Paulus, 6e armée, y arrivent, le soir même, déclenchement d'un bombardement. Un bombardement qui va avoir pour conséquence de transformer Stalingrad en ruine. L'ordre consistant à détruire tout ce qu'il est possible de détruire est un ordre qui est idéologiquement complètement cohérent. C'est-à-dire que ces gens sont des inférieurs, ils ont l'outrecuidance de nous résister, nous allons les réduire à néant. Voilà, pour résumer. Ce que Paulus ne réalise peut-être pas, c'est l'immense difficulté du combat urbain. Il est bien connu que les ruines pour la défense, c'est formidable. Lorsque l'on est dans une ville détruite, les armes fonctionnent différemment. Les armes effectivement utiles changent. Là où un char était très utile à découvert, il ne l'est plus dans une ville parce que à tous les coins de rue, il peut se faire détruire par quelqu'un d'un peu décidé, que ce soit avec un bazooka ou avec un cocktail Molotov, etc. Donc le combat change de nature. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Les soldats allemands n'étaient pas habitués à la guérilla urbaine dans une ville démolie. Et donc, ils ont eu beaucoup de difficultés déjà tactiquement à s'adapter à ce genre de combat. Et les Soviétiques, eux, de leur côté, ont mis des forces incroyables en face. Ils ont eu d'énormes pertes, mais ils voulaient absolument tenir. Donc, ça a été effroyable. For almost 2 months, Paulus keeps on increasing his attacks against an enemy who relentlessly defends every district, every building, every floor, and every basement. Ils ne parviendront pas à la Volga. Il y a un quartier qu'ils ne parviendront jamais à prendre. Donc les troupes soviétiques, elles passent la rivière et il y a toujours des renforts qui arrivent heure par heure. Il y a un régiment soviétique qui est démoli, il y a un autre régiment qui arrive, constamment. Parfois, c'est dramatique parce qu'ils arrivent sur le front sans fusil. Donc, ils sont obligés, on leur dit, prenez le fusil des morts qui sont devant vous pour attaquer. L'armée rouge va y laisser des dizaines de milliers d'hommes. Les commissaires du NKVD, l'ancêtre du KGB, seront sans pitié. Tout soldat ou toute troupe qui veut reculer est abattu sur place. On citera le chiffre de 13 000 soldats abattus par les commissaires du NKVD. Donc, c'est pas rien. When the snow arrives in October 1941, the Germans again do not have the equipment they need for winter. With no significant reinforcements, untrained for urban warfare, and with poor supplies, the morale of the Wehrmacht troops plummets. Paulus se rend compte par des reconnaissances aériennes dès octobre que sur son flanc nord et sur son flanc sud-est, il y a de fortes concentrations soviétiques qui se font. Il est inquiet parce que sur ces deux endroits, ces flancs sont couverts par deux armées roumaines qui sont fort mal équipées pour la guerre en général et pour l'hiver en particulier. Il lui demande l'autorisation de faire effort pour pouvoir décrocher car sinon, il va se trouver dans ce que les Allemands appellent un Kessel, c'est-à-dire un chaudron. Hitler va dire « Niet !» On ne recule pas. On ne recule pas. C'est une stratégie de se reculer pour mieux réattaquer. C'est une stratégie militaire qui est vieille comme le monde. Et si on ne recule pas, on se fait manger.
Si on recule, on refait ses forces et on peut réattaquer. On n'apprend pas ça au caporaux, quoi. On October the 14th, 1942, Hitler gives the strict order forbidding Paulus to retreat. His troops must stay in Stalingrad and win the battle at all costs. A month later, the Red Army launches a large-scale attack on two fronts around the city. Staline lance sa contre-offensive. Il ne lance pas sur Stalingrad même, où il y a le cœur des forces allemandes, mais il va étudier le dispositif allemand. Et au nord et au sud de Stalingrad, il y a des troupes italiennes et roumaines. Et les Russes vont fondre sur ces troupes italiennes et roumaines qui sont d'une moindre valeur militaire et qui vont céder plus rapidement et qui va permettre l'encerclement de Stalingrad. When on the 23rd of November 1942, the Red Army joins both its sides, Paulus's 6th Army is caught in the trap. Une armée allemande enveloppée, ce n'était jamais arrivé, et donc Hitler donne l'ordre au Feldmaréchal von Manstein, provisoirement sans commandement, de monter une opération de dégagement de Stalingrad par le sud. Von Manstein warns Hitler that he will only be able to create a corridor allowing supplies to reach Paulus and enable him to escape. To do this, von Manstein's troops attack the Russians directly. But anticipating this move, the Red Army launches a counterattack. Von Manstein is forced to withdraw before he is surrounded himself. Paulus's army has to survive alone, with limited supplies, fuel and ammunition. Pour alimenter cette 6e armée, en gros, ça fait dans les 250, 260 000 hommes. Il faut un minimum de 500 tonnes par jour. Et Göring répond encore une fois présent. Kein problème, mein Führer. 500 tonnes, vous en voulez 500? C'est pas 600? Non? Ok, 500, très bien. Moi, mes Junkers 52, ils vont y aller. Or, là-bas, ça bat la neige et le froid. Les Junkers 52, avec la mauvaise essence, bah, la mise en route, les moteurs ne démarrent pas, ça chauffe pas, ça... et puis il peut en amener 100 tonnes, quoi. Manque 400. Donc au bout de 8 jours, manque 3200, quoi. Le résultat des courses, c'est que la 6e armée, au sens vrai du terme, va crever de faim. Elle va crever de faim, puisqu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. On the 10th of January 1943, the Red Army launches a final assault designed to reduce once and for all the Stalingrad pocket of troops. 15 days later, when the Russians cut the German forces into two, Hitler once again repeats his order to Paulus that his troops must not retreat or surrender. Hitler nomme en dernière limite, hein, fin janvier, von Paulus maréchal, en croyant que von Paulus allait se suicider, ne pas se rendre, parce qu'un maréchal allemand ne se rend pas, et von Paulus va se rendre. Paulus se rend, mais ne donne pas l'ordre formel à ses hommes de se rendre, donc ça dure encore 48 heures, mais c'est foutu, quoi. Finally, on the morning of the 2nd of February 1943, the red flag flies over Stalingrad. It's the first major defeat for the German army and its supreme ruler, Adolf Hitler. Le problème de von Paulus, c'est qu'il a été très obéissant à l'égard d'Hitler, mais c'est pour ça qu'il a conservé son poste. Mais d'un autre côté, en restant extrêmement obéissant à Hitler, il a permis aux soviétiques de faire des centaines de milliers de prisonniers. Donc, il aurait peut-être dû penser à ses troupes avant de penser à sa fidélité à Hitler. Je crois qu'une caractéristique de cette guerre en Russie, toute guerre est inhumaine, mais celle-ci l'est particulièrement. Les Allemands ont été affreux, et les Russes leur rendent l'appareil. Ce qui veut dire que des 91 000 prisonniers de Stalingrad, il y en aura moins de 5 000 qui retrouveront leur pays. Ils vont
soit être liquidé purement et simplement, soit crever de faim dans les camps de prisonniers. During Operation Barbarossa, the Germans lost 1 million men, either killed, injured, or disappeared. The Red Army lost twice as many, but it had seven times as many men in reserve than the Wehrmacht. Depuis 39-40, on avait une armée plutôt conquérante, dans la victoire. Là, on a vraiment un tournant, une bascule. Et cette bascule va continuer à s'opérer donc en Afrique du Nord à partir de l'année 43. While Hitler suffered his first loss on the Russian front, in response to his declaration of war, the Americans entered the conflict. Allied with the British, they had been making advances in North Africa. The President of the United States welcomed the Prime Minister of Great Britain. The gravity of the moment had brought them together. During the spring of 1942, when German domination was at its strongest, the Allies agree on the need to open a second front, as called for by Stalin, to support the USSR. This operation, known as Torch, must allow landings on the coast of North Africa. This would give the British and Americans a platform to land in Europe. To do this, they need to vanquish the elite troops of the Afrika Korps, which occupy Libya. L'Afrika Korps, c'est une armée d'élite. L'Afrika Korps n'est pas du tout négligeable. Il est commandé par Rommel, un général très populaire auprès de l'opinion publique allemande. L'Afrika Korps du maréchal Rommel va avoir maintenant un nouvel ennemi en plus sur le dos. Alors qu'ils avaient déjà les Anglais, ils étaient en train de retraiter. Ils vont avoir maintenant la puissance des Alliés qui va préparer un débarquement, donc l'opération Torche, en novembre 42, sur les côtes d'Afrique du Nord. On November the 8th, 1942, Operation Torch, involving 100,000 soldiers, sets out from 200 war buildings. Three groups are in charge of establishing nine bridgeheads along a 1,500-kilometer coastline. They are soon battling General Rommel's troops, who are allied with the Italians. Rommel a été battu et là, la Maine. Bon. Et là, la Maine, une bataille que les Anglais ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre pour deux raisons. La première, qu'ils étaient au moins à deux, voire même à trois contre un. Deuxièmement, ils étaient près de leur base. Tandis que Rommel, sa base, elle était loin. C'était Tripoli, un peu Benghazi, et plus loin, la Tunisie. Donc, il a été battu. À partir de ce moment-là, les forces de l'axe italienne et allemande qui se trouvent encore en Libye et en Tunisie sont combattues à l'est par la 8e armée britannique qui progresse en Libye et à l'ouest par les anglo-saxons associés aux Français. Ils sont encerclés, en fait, de plus en plus. Et à la fin, Rommel signale effectivement à Hitler la nécessité de rapatrier les troupes d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'arrêter les combats. And in North Africa, Hitler makes the same mistake he made in Stalingrad. Once again, he persists and demands that his army hold their positions down to the last man. Il eût été préférable de quitter l'Afrique du Nord, de se replier en Italie, plutôt que de tenter de résister à tout prix, plutôt même que d'envoyer des renforts, comme Hitler le fait, en Tunisie. Thousands of young German soldiers who had just landed would be sacrificed in vain. La seule chose, c'est que Rommel est rappelé par Hitler, parce que Rommel est une figure très populaire en Allemagne, un des meilleurs généraux allemands. Et donc, il aurait été catastrophique que Rommel soit fait prisonnier. Little by little, the noose is tightening. The superiority of the Allies' equipment is overwhelming, and their blockades of artillery inflict serious losses on enemy troops. But the Afrika Korps continues with its suicidal counterattacks. The Tunisian mountains will become a graveyard for the majority of the German soldiers. Ceux qui avaient reçu ordre de se battre en Tunisie, bah, se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout.
Lorsque la Tunisie a capitulé vers le 8 mai 1943, il y a eu 130 000 Allemands qui se sont trouvés prisonniers en Tunisie. C'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure qui aboutit à une défaite terrible, à une quantité de prisonniers, non seulement italiens, mais également allemands, tout à fait considérable. J'ai tendance à penser que le désastre tunisien, le désastre de l'axe en Tunisie, est probablement pire en matière stratégique et en termes de puissance militaire que ce qui se passe à Stalingrad. C'est symboliquement moins fort, c'est aujourd'hui moins connu, mais c'est un désastre qui est probablement pire pour les armes de l'axe que ce qui se passe à Stalingrad. Il perd autant de troupes. L'axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. In May 1943, on the Russian front, the situation is no better. The Germans have been pushed back everywhere. Hitler wants to take the initiative after his failures in Moscow and Stalingrad. In Kursk, the opportunity for a counterattack emerges for the German military. A 150-kilometer pocket was created at the front line during the Russian attack in the spring of 1943. Les Soviétiques ont formé dans le dispositif allemand ce qu'on appelle, selon qu'on le regarde, un saillant ou un rentrant, c'est-à-dire une grosse bosse. This salient has several important weaknesses in its defense. Hitler a eu l'idée de la percer par une offensive blindée majeure, de manière à encercler les armées soviétiques qui étaient dans cette poche et avoir une victoire. Le véritable objectif d'Hitler, c'est de faire encore de la communication. Car après Stalingrad, tous ses alliés, Mussolini compris, lui ont dit « Il faut faire la paix avec Staline, maintenant on ne peut plus tenir ». Donc l'objectif politique d'Hitler, c'est de redonner confiance à ses alliés européens, et donc il veut montrer la puissance de l'armée allemande, notamment avec de nouveaux matériels en Panzer, les tout nouveaux chars Panther, chars moyens, puissants, et surtout le tout-puissant Tigre qu'il a depuis quelques mois, et de chasseurs de chars géants éléphants. C'est vrai que le Tiger et le Panther étaient d'excellents chars. Les Allemands ont un passé de blindés excellent. Ça n'arrive pas aussi vite qu'ils ne le pensent. C'est ça le problème. Parce que il suffit pas de dire il y a qu'un faucon, quoi. Tout ça se passe très très loin des centres industriels allemands où sont produits ces chars, où sont produites ces armes, et il faut le temps de les acheminer. Et ce sont des choses que tout le monde oublie, mais il faut les mettre dans des trains, il faut que ces trains parviennent à progresser, malgré les partisans soviétiques qui commencent à devenir très très efficaces, malgré l'aviation soviétique, et donc tout ça prend du temps. General von Manstein is in favor of a quick attack. He wants to surprise and destroy the enemy, which is worn out from the last months of combat. Hitler disagrees. He wants to stall for time until the new, supposedly invincible tanks arrive. Il temporise, ça va arriver, mais si on perd un mois ou deux, alors qu'on est au milieu de la toundra, c'est mortel. Voilà. On a perdu plusieurs semaines. En attendant, les généraux soviétiques qui étaient sur place, eux, étaient bien au courant qu'il y avait une offensive qui se préparait du côté allemand. Ils sont au courant par les Anglais de tous les axes d'attaque des Allemands. Dès le jour où le plan a été prévu par l'état-major allemand, les Anglais ont déchiffré Enigma et ont fait part d'une partie de ces renseignements aux Russes. Donc les Russes savent exactement comment les Allemands vont attaquer, où ils vont attaquer et avec quel type de force ils vont attaquer. Ils ont eu le temps de préparer le terrain par une défense en profondeur, avec des mines, avec tous les systèmes anti-chars, l'artillerie, etc. Ils se sont renforcés durant ce temps-là. Et donc c'est vrai que Hitler a déclenché l'offensive le 5 juillet 1943, trop tardivement à nouveau. On the 5th of July 1943, Operation Citadel began. There were sizable forces involved. 2 million Russian soldiers against 900,000 Germans. Even more impressive, 2,700 German tanks would face nearly 5,000 Soviet tanks, mostly composed of T-34 models. Ce sont des chars entre guillemets basiques, pas du tout sophistiqués, mais résistants et très bien servis par les tankistes soviétiques.
Le T-34, ils en ont à l'appel, des milliers, et ça y va, ça y va, ça y va. Et les pauvres gros Panthers et Tigers qui arrivent, ben, ils sont morts avant d'arriver, quoi. Hein. La bataille de Koursk va être la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cimetière des blindés. L'offensive nord va très rapidement tomber sur des défenses soviétiques impénétrables et ils vont s'y casser les dents, ils vont être obligés de reculer. Vers le sud, les défenses vont être enfoncées, les défenses soviétiques. Mais très rapidement, les troupes allemandes ne peuvent pas tenir. Ils n'ont plus assez d'hommes, ils perdent un matériel fou et les soviétiques se renforcent de jour en jour. Les unités blindées allemandes combattent quasiment à une contre deux. Et donc très rapidement, malgré la valeur de ces unités blindées allemandes, le combat tourne à l'avantage des soviétiques. Il n'y aura pas tellement de manœuvres. On va se tuer à bout portant. Ça va être, dans un sens, si vous voulez, un Verdun des chars. The loss at Kursk is another demonstration of Hitler's inability to lead his armies. In 50 days of fighting, the Wehrmacht has halved in numbers. Que l'armée allemande prenne ou pas ce saillant n'aurait pas changé la guerre. Il aurait mieux valu du côté allemand battre en retraite et de faire une ligne de défense, mettons à l'ancienne frontière de l'Union soviétique, de faire quelque chose de solide, que de mener ces combats en retraite permanents, perdant des milliers de camions et de blindés qui ne pouvaient plus rouler. Là, ils ont eu des pertes épouvantables en matériel et en hommes. C'est un événement majeur parce que, après Koursk, les Allemands n'auront plus l'initiative sur le front de l'Est. Ils ont perdu tellement d'hommes et de matériel à Koursk qu'ils ne seront plus en capacité, après Koursk, de mener une opération de grande échelle sur le front de l'Est. À Stalingrad, hein, il a perdu 260 000 hommes et puis un revers de prestige. Enfin, la Wehrmacht était toujours là. Tandis qu'à Koursk, Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, the Germans retreat on all fronts. Hitler also believes there will be an imminent Allied landing, so he is on the defensive. Hitler pense que le débarquement se fera autour d'un port en France, et donc il a privilégié une zone possible de débarquement plutôt dans le nord de la France. Et en plus, c'est là, entre Calais et Douvres, où la partie de la Manche est la plus courte, on a à peu près une trentaine de kilomètres, alors qu'entre Cherbourg ou Caen, il y a à peu près 120 kilomètres. Donc les Alliés ne vont pas être fous. S'ils partent d'Angleterre, ils partiront de Douvres. Hitler pense que les armées américaines alliées vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Et pour ce faire, il met les Panzerdivisionen très bien armées à Lille et dans la région du Nord, en face du Pas-de-Calais, quoi, en gros. Cette cécité sur le lieu va être une erreur stratégique d'importance puisque pendant longtemps, cette 15e armée allemande va être utilisée à défendre des côtes contre un envahisseur qui ne viendra jamais. To mislead Hitler, the Allies increased the number of fake operations. Il y a eu des bombardements importants dans le nord de la France peu avant le débarquement de Normandie, pour faire croire. Hein. Il y a eu des agents doubles en Angleterre qui ont envoyé des messages au commandement allemand disant que le débarquement se ferait bien dans le Nord-Pas-de-Calais ou devant la côte belge, enfin bon, avec des renseignements contenant des aspects vrais et des aspects faux. Hitler falls into the trap. Convinced that an Allied landing will take place in northern France, he sends a maximum number of troops there. When Operation Overlord begins on the 6th of June 1944, the first wave of the Allied attack doesn't land in the Pas-de-Calais. Instead, they are 300 kilometers away on the Normandy coast, precisely where the German position is less defended. Given the seriousness of the situation, the German military leaders must urgently redeploy the panzer divisions to face the Allied troops. They must call Hitler. Only he can give the order.
6 juin 44. Incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Le matin du 6 juin, on n'a pas le droit de le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse-Paris, elle s'insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte. »« Mais oui, mais il faut me lâcher les divisions qui sont… »« Non, non, non. » The hours go by, and the waves of Allied attacks keep coming one after another. Il va se réveiller qu'à 10 heures. Les opérations sont déjà extrêmement engagées. Il faut prendre des décisions tout de suite. Tout est bloqué. Hitler est le seul qui a la main pour bouger les divisions de Panzer. En France, il y a 10 divisions de Panzer. C'est l'arme qui peut faire la différence face aux Alliés au débarquement. Les 10 divisions de Panzer, c'est ce que redoutent le plus les Alliés. S'ils sont engagés sur le front de Normandie, le débarquement devient une affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus incertaine. When informed of the Allied landings, Hitler refuses to reverse his judgment and still thinks that the Allies are trying to manipulate him. Il dit, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est une intox. Donc je garde mes Panzer Division. Il a cru que c'était une diversion, que le débarquement allait très prochainement se faire dans le Nord et pas en Normandie, que c'était une opération secondaire. By midday, Hitler still hasn't taken action. During this time, the Allies seize the beaches one by one. Rundstedt donne l'ordre de mise en route. Ils partent. La grande chancellerie rappelle en disant Zurück, demi-tour. Il n'est pas question. Et pendant ce temps-là, les partisans, enfin nos FFI font sauter les ponts. Et quand Hitler se rend compte vraiment qu'il faut y aller, les trains sont obligés de descendre jusqu'à Montargis sans pour remonter parce qu'il n'y a plus de pont sur la Seine. Eh oui. Hitler va retenir 7 divisions de Panzer dans le Nord-Pas-de-Calais et il va seulement en envoyer 3 en Normandie. 70% de ces chars vont rester l'arme au pied pendant que les combats se dérouleront en Normandie. Ça va permettre aux Alliés de renforcer tous les jours cette tête de pont et d'assurer la libération de la France et de l'Europe. Si Hitler n'avait pas dormi ce matin-là et s'il avait accepté d'écouter ses généraux, ses maréchaux, dont c'est le métier, eh bien, il aurait donné l'ordre. Dans les 48 heures, les Panzer Division étaient en face d'Omaha Beach. Eh bien, peut-être que les Alliés seraient repartis, auraient rembarqué, quoi. Hein. C'est de la politique fiction. N'empêche que. The military climate continues to deteriorate. Some dignitaries think that the time has come to make Hitler pay for his errors that have been so costly to the German army. En Allemagne nazie, il y avait une résistance. Il y a une résistance allemande à Hitler en Allemagne nazie, y compris dans l'armée, de gens qui en 39-40, croyaient en Hitler. That's why on the 20th of July 1944, some of those involved in the putsch launched Operation Valkyrie. Les acteurs de l'attentat du 20 juillet 1944 sont en partie des officiers supérieurs et puis des officiers généraux de la Wehrmacht qui ont une vision très lucide de ce qui se passe à l'Est. Qui savent que, dans un terme très court, la guerre est perdue. Et qu'il faut donc couper net la décision de poursuivre la guerre en tuant le chef des armées et, en l'occurrence, le chef de l'État. For this, the conspirators have an ideal man who regularly is in close contact with the Führer, Colonel Stauffenberg. He's an impressive character who has serious injuries from the campaign in North Africa. That day, when he arrives in East Prussia for a meeting with military leaders, his bag is stuffed with explosives. The attack cannot fail. L'attentat dans le repère du loup au mois de juillet 1944 est un attentat qui échoue de très peu. When the meeting begins, around 20 of the Wehrmacht's dignitaries were around Hitler. Stauffenberg is late. C'est de la faute, ça n'a pas de chance. En ce sens que la bombe de von Stauffenberg a été placé à un mauvais endroit. Stauffenberg joins the group during a general's report. Because he is deaf, and at his request, he is placed on the Führer's right, the ideal place for him to put the briefcase of explosives.
l'attentat a échoué pour une raison purement de mallette mal positionnée en dessous de la table. Under the pretext of a phone call, Stauffenberg hurriedly leaves the room. Un des officiers, cette sacoche le gênait, il l'a déplacée et il l'a mis contre un pilier en bois d'une des tables sur lequel se tenait la conférence. The explosion entirely blew out the building, but the conspirators failed in their assassination attempt. The attack only claimed three victims and miraculously spared Hitler. The dictator escaped with an injury to his right hand and minor burns on his body. Quelqu'un a dit la main du diable a protégé Hitler. Et c'est vrai, il aurait dû mourir ce jour-là. The same day, Mussolini arrives in East Prussia. He is welcomed by Hitler, who has his right arm in a sling. Miraculously spared, the Führer wants revenge. Et alors, il y a eu une purge à la suite de ça, tout à fait considérable, parce que pour la plupart des membres de l'armée allemande, des commandants de l'armée allemande qui sont impliqués de près et même de loin, et même parfois de très loin, dans cet attentat, sont fusillés, éliminés. Rommel sera obligé de se suicider. Von Kluck, un des grands patrons aussi de l'armée allemande du moment, qui conduit de se suicider. Une partie des comploteurs seront pendus à des crocs de boucher. Les films seront visionnés par Hitler, qui fera voir son état-major personnel en tant qu'avertissement. His revenge is immense. In total, 5,000 people are killed in a purge which decimates the military. Hitler no longer trusts his army. Dans ce processus-là, c'est la SS qui va gagner en puissance. Himmler, maintenant le numéro 2, à côté d'Hitler, parce que Hitler, effectivement, confie à la SS cette remise en ordre. Et ça, ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'état du front, puisque plus que jamais, à partir de l'été 1944, le mot d'ordre va être un mot d'ordre idéologique. Il faut tenir. Tenir pour une question d'honneur, tenir pour une question de sacrifice si jamais on n'arrive pas à garder la position, et tenir dans l'espérance que, comme l'a promis Hitler et comme il ne cesse de le promettre, la guerre va connaître un retournement grâce aux fameuses armes miraculeuses dont on attend la production et l'entrée en service. But the miraculous weapons, like the flying bombs, which Hitler is so desperately clinging to, won't save them. Hitler, à partir de là, va développer à la fois un pathos qui se manifestera par des crises de larmes, ou autre, par le contraire, par des crises de rage terribles. Hitler, physiquement, est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus, dans sa tête, assiégé. C'est un homme très fatigué et prématurément vieilli. C'est un homme qui a à peine 55 ans, mais lorsqu'on voit les images, on voit un homme de 80 ans. L'état mental d'Hitler et physique se dégrade tout au long du conflit à mesure des défaites. Au tout début de la guerre, en 1939, il étonne Keitel en gambadant comme un cabri sur les carcasses d'un train blindé polonais. À la fin de la guerre, on le voit dans un film de 1945, sa dernière apparition, devant des Hitlerjugend, on voit un homme voûté, avec un visage marqué, ayant la main gauche dans le dos parce qu'il était pris d'un tremblement convulsif. En fait, Hitler était un homme atteint de la maladie de Parkinson. C'était un insomniaque. Avec les remontants, contrepoisons et autres que lui administrait le docteur Morel, c'était un quasi-toxicomane. C'était donc un homme qui était incapable, à partir du milieu du conflit, d'avoir les ressources physiques, intellectuelles pour mener cette guerre. Il reçoit des piqûres régulièrement, il est sous médication, il est épuisé physiquement et mentalement. Et plus personne n'ose le contredire.
Et autour de lui, il n'y a plus que des généraux qui sont des exécutants et qui n'osent plus devant lui contredire quoi que ce soit. On the Western Front in December 1944, the Allied forces are in Holland, Luxembourg, Saarbrücken, Brussels, Antwerp and Strasbourg. All officers have their eyes fixed on the Rhine, and the most optimistic ones believe the war will be over by Christmas. They are forgetting the rage that drives Hitler, who is more and more cut off from reality. Hitler se dit, je peux tenter un dernier coup de poker, et il va lancer une contre-offensive, la contre-offensive des Ardennes, qui va démarrer le 16 décembre 1944. Il charge le maréchal von Rundstedt de l'offensive. Or, von Rundstedt n'y croit pas. Il n'y croit pas à tel point qu'il ne se rend pas à la réunion d'état-major qu'Hitler convoque avec tous les généraux impliqués dans l'opération. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. Ils sont persuadés qu'effectivement, on court à la catastrophe. Ils voient bien la supériorité aérienne des Alliés sur le front ouest. Mais Hitler se dit qu'il faut absolument tenter cette opération pour couper les forces alliées en deux. L'idée, c'est d'attaquer, de contre-attaquer dans les Ardennes, d'atteindre la Meuse, d'atteindre ensuite le port d'Anvers, qui est un port très très important pour le ravitaillement des forces alliées, et ayant réussi cela, de proposer une négociation aux alliés anglo-saxons. Il voulait affaiblir les armées britanniques et américaines, faire une paix de compromis avec les anglo-saxons, pour pouvoir ensuite se retourner contre qui ? Contre les soviétiques, contre les communistes, contre les bolcheviques. C'était un coup de poker, mais c'était surtout une erreur stratégique majeure. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Even if the element of surprise could be guaranteed, the military leaders consider that Hitler's ambitions are disproportionate to the number of troops available. Dans les années 44, il a toujours le même nombre de divisions. Les Panzerdivisionen, au lieu d'avoir 120 ou 150 chars, ils en ont plus que 12. Et ils ont 10% de leur effectif. Mais pour lui, il met toujours la plaquette sur la carte telle division, telle division, telle division. Mais c'était tel régiment, tel régiment, tel régiment. To attack in the Ardennes, Hitler has to thin out the Eastern Front. The maneuver is suicidal, but once again, nobody contradicts the Führer. La seule condition pour que l'offensive allemande ait une chance de réussite et que les blindés allemands puissent percer, c'est qu'il faut qu'ils aient la chasse alliée soit clouée au sol. Et pour que la chasse alliée soit clouée au sol, il faut qu'il y ait du mauvais temps. On the 16th of December 1944, the weather is favorable to beginning Operation Wacht am Rhein. When the Battle of the Ardennes starts, the American High Commander is knocked out by the scale of the attack. Dans un premier temps, ça réussit quand même assez bien. Ils parviennent à bousculer les armées américaines, notamment qui sont sur ce front, qui sont en repos. Parce que les généraux américains avaient estimé que vraiment les Ardennes étaient imprenables, que les chars ne pouvaient pas passer par là. À nouveau, la même erreur qu'en 1940. Overwhelmed in many areas, the American GIs surrender in hundreds to the Germans. But the lightning attack by the Wehrmacht quickly fades. Les objectifs étaient tout à fait exagérés. En aucun cas, l'armée allemande à l'ouest était encore capacité de percer le front jusqu'à Anvers. Choisir d'attaquer par un temps épouvantable, dépendre ainsi de la météo, est une folie, a fortiori si l'on songe que cette météo est épouvantable pour les Alliés, mais qu'elle l'est également pour les Allemands, qui vont donc devoir combattre dans des conditions terribles. The two armies face each other to fight in freezing temperatures, often reaching minus 20 degrees. Le terrain étant rendu soit neigeux, soit bourbeux, les derniers chars, comme les chars de 70 tonnes, étant trop lourds, l'offensive a été freinée par les embouteillages, car le savoir-faire qu'avait manifesté l'armée allemande en 1940, où elle avait suggéré cet embouteillage, n'existe plus. On the 22nd of December 1944, only 6 days after the start of the attack, the German army began to run out of ammunition and especially of fuel. Le haut commandement de la Wehrmacht sous-estime par 5 les besoins en carburant. Le carburant va manquer.
Le carburant manque déjà, c'est-à-dire que lorsque l'attaque est lancée, il n'y a à disposition que la moitié du carburant nécessaire pour atteindre les objectifs assignés aux forces allemandes. L'autre moitié devra être conquise sur les Alliés, ce qui est quand même un pari complètement incroyable. From the 23rd of December, the weather starts to improve. The Allied airplanes can finally take off. Dès les premiers rayons de soleil, toute la flotte alliée prend l'air et va clouer au sol tous les blindés allemands. Aussitôt que le soleil revient, les P-47 et les Mustang fondent sur la Wehrmacht et c'en est fini, quoi. C'est un massacre. L'aviation anglo-américaine s'en prend spécifiquement aux camions de ravitaillement et ce sont que des traînées de camions en flammes. Et les Allemands sont obligés de plier en abandonnant leur matériel face aussi à la contre-attaque de Patton depuis le sud. Et une contre-attaque britannique qui s'annonce aussi depuis le nord. Contre des troupes allemandes composées soit d'unités d'élite très motivées, mais surtout de plus en plus de Volksgrenadiere, c'est-à-dire de gamins inexpérimentés, un peu terrorisés, mal habillés et ne sachant plus progresser comme leurs aînés de 40. La bataille des Ardennes débute à la mi-décembre 1944. Elle s'achève le 31 janvier 1945. À ce moment-là, les Allemands sont revenus sur leur ligne de départ, mais ils ont perdu dans cette folie entre 80 000 et 100 000 soldats. Ils ont perdu une quantité d'avions très importante, ils ont perdu des blindés, ils ont perdu du carburant, et leur morale est évidemment en chute libre. Et donc ce sont autant d'éléments qui vont manquer cruellement pour s'opposer aux Soviétiques, qui à ce moment-là sont en train d'attaquer à l'Est. Pendant la bataille des Ardennes, les Russes avancent de 500 km quand même. Les moyens qu'il a pu engager, il aurait mieux valu qu'il les mette à l'Est. Car pour le peuple allemand, le danger, il était surtout à l'Est. Car après les atrocités allemandes vis-à-vis de ceux qu'ils appelaient les Untermensch, vous le savez, les sous-hommes, les villages brûlés, les femmes violées, les hommes et les enfants tués, etc., etc. C'était dans la logique des choses. La vengeance, la haine russe était terrible. Donc, par conséquent, s'il avait raisonné un petit peu en faveur de son peuple, il fallait surtout se défendre à l'Est. Instead of surrendering, eaten away by insanity, the Führer takes his people hostage and brings them with him in his final downfall. Attacked on all fronts, the Reich that Hitler imagined is living its final moments. The man who previously dominated Europe from the Atlantic to the Urals now only has imaginary armies to defend himself. During this time, the Anglo-Americans brought the war to the heart of Germany with one ultimate objective, Berlin. Les Soviétiques, eux, mettent la bouchée double. Staline veut arriver à Berlin avant les Américains et les Anglais. Et il y parvient. Berlin est effectivement pris par les Soviétiques seul. At the end of April 1945, the Reich, which should have lasted 1,000 years, crumbles. En matière militaire, comme pour toute l'histoire du Troisième Reich, on est dépendant aujourd'hui de ce que les nazis ont dit d'eux-mêmes et de ce que les nazis ont dit d'Hitler. En matière militaire, par exemple, ils l'ont fait passer pour un chef militaire génial, quelqu'un qui avait inventé la guerre de mouvement moderne, qui avait inventé la mécanisation, etc. On se rend compte que, à l'épreuve des faits, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ce n'est pas un homme de 1940, ça reste un homme de 1914. Là, on voit bien, concrètement, que ce qui était dit sur un Hitler chef de guerre génial est faux. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. Et qu'au début, le fait qu'il néglige la dimension tactico-stratégique, la nature du terrain, les problèmes de logistique, toutes ces négligences ne rattrapent pas Hitler chef de guerre. Et puis un jour, l'ensemble de ces conditions guerrières, l'ensemble des conditions dans lesquelles le phénomène guerrier doit se développer, rattrape Hitler chef de guerre, et à partir de là, ses paris sont systématiquement perdus.
finalement, son ultime stratégie, c'est celle du suicide. Suicide du peuple allemand, suicide de son entourage proche dans ce bunker sordide, écrasé par l'artillerie soviétique. Et c'est donc un homme fini et désespéré qui a usé tous ses trucs, qui se tire une balle dans la tempe après avoir empoisonné sa maîtresse.